Bonjour, je suis Jean-Luc Cabane. Je suis sorti en 1975 et j'étais dans la 9e promotion du Stade Eiffel. La fonction essentielle, qui est un fil conducteur dans toute ma carrière, c'est celle d'ingénieur d'affaires, de responsable de projet, que j'ai enrichi au fur et à mesure d'une responsabilité commerciale. J'ai eu 2 entreprises personnelles, j'ai travaillé dans 3 grandes entreprises. J'ai eu la chance de commencer par Vinci Énergie dans la partie travaux électriques. En termes de contenu, il y a l'entièreté de la responsabilité du démarchage client, contact client, prise de commande, devis avant projet, suivi de projet, réception. Et on recommence le cycle pour développer des marchés. C'est un mix de réalisations techniques, des choses aussi variées que des chariots automoteurs filo-guidés ou des turbines à gaz de 600 ou 700 ou 800 mégawatts, des marchés de quelques centaines de kilo-euros à des milliards d'euros. La première entreprise, c'est pour répondre à un besoin de la SNCF qui recherchait quelqu'un pour fabriquer les maquettes du N500. Le fameux Naviplane qui a été utilisé entre Douvres et Calais. Voilà, ça, c'est la première. Et la seconde entreprise, à la fin de ma carrière, une fois que j'ai quitté mon dernier employeur General Electric, j'ai monté une société de conseil et j'ai continué à travailler pour le client dont je m'occupais dans la formation d'ingénieurs commerciaux. Ma carrière a évolué comme je l'ai souhaité. Donc j'ai choisi, j'ai changé d'entreprise parce que je voulais voir d'autres choses. Donc je suis passé du BTP travaux électriques à la mécanique en rentrant chez Alstom et ensuite de chez Alstom dans la partie turbine à gaz pour revenir vers des machines tournantes qui étaient au départ les moteurs d'avion que j'aimais beaucoup. Alors en termes de satisfaction, c'est surtout d'avoir pu couvrir la totalité de la responsabilité de réalisation, c'est-à-dire depuis le contact client jusqu'à la réception, c'est-à-dire des choses extrêmement complètes qui sont très satisfaisantes. Le conseil que je donnerais, si je prends mes dernières 14 années d'activité où j'étais responsable grand compte, il faut arriver à avoir cette maîtrise technique, commercial, gestion client, gestion du temps, gestion de l'interne. Et là, on est dans un rôle d'une richesse infinie. Donc si effectivement c'est un objectif pour un ingénieur unique, il va falloir s'exposer dans sa carrière à apprendre la partie technique, la partie commerciale, la partie relations humaines, la partie gestion, la partie financière. Et petit à petit, ça va s'agréger et naturellement, ça fera quelqu'un qui pourra avoir ce type de poste. Cultiver la curiosité, la créativité et penser toujours innovation. L'innovation est certainement l'élément que l'on doit mettre sur la personne et dire quand on veut des idées, on va voir ce gars-là. Et là, on a des idées. Il est promoteur, il est porteur, il est animateur. Et ça permettra de durer.